petit système pour récupérer l'eau. Alors, c'est pas totalement exceptionnel, mais enfin, ça marche. Alors, effectivement, c'est pas excessivement ouf, mais ça marche. Ça marche. C'est alors. Évidemment, là ici ça serait bien de mettre le couvercle, de faire un trou, ça passe. Mais ici ça marche aussi. On aurait quelque chose à faire, c'est d'avoir effectivement un plus grand espace pour pouvoir récolter. Alors l'eau ici ne va pas servir à de laver ou à la boire, va servir uniquement pour le potager, entre guillemets, si on peut appeler ça, pour les plants, pour les tomates, les basilic que je fais pousser. Et puis aussi, ça met un petit peu en apprentissage de savoir comment faire pour récupérer vos fruits. Donc, il y a des systèmes, la gouttière, machin, tout ça, on pourra mettre en place. Après, il ne faut pas oublier qu'ici, c'est une résidence. Il y a un comité, vous ne pouvez pas installer un panneau solaire et plein de choses différentes comme ça. Donc, il faut pouvoir faire des choses. C'est pour ça aussi que je vais aller à la campagne et puis avoir un petit terrain pour récupérer l'eau. Et puis, dans un second temps, pouvoir récupérer l'eau, là, pouvoir la filtrer et justement pouvoir utiliser cette eau de pluie qui est largement potable pour la boire. Et voilà, utiliser ce que la nature nous donne tous les jours. La nourriture, l'énergie, les panneaux solaires. Certes, il y a le prix du panneau solaire, il y a le recyclage qui est difficile pour les panneaux solaires. Mais enfin, c'est une énergie qui est entre guillemets presque naturelle. Bon voilà. Il faut apprendre à utiliser ce que la nature vous donne. J'avais fait un autre système que je vous mettrai après cette vidéo. Donc voilà, c'est pas une grande vidéo, mais au moins ça vous permet de vous montrer qu'on peut largement récupérer de l'eau assez facilement, même quand vous êtes en appartement. Alors, tous les appartements n'ont pas forcément un balcon. La plupart du cas, oui, mais pas forcément et pas toujours. Et après, la pluie aussi ne tombe pas toujours dans le même sens. Hein, s'il y a du vent ou pas, dans quelle direction il va se déplace. Donc là encore, c'est moyen, mais l'autre fois j'avais beaucoup plus de chance et vraiment ça venait vers le balcon. Hein. C'était beaucoup plus simple. Voilà, voilà, voilà. Voilà, je vous dis, comme d'hab, il y a pas de problème dans la vie, il y a des solutions, ben ça on fait partie. Voilà. Ciao les amis. Voici en 3-4 jours ce qu'on a pu récupérer en mots.